intelligent, le ainsi de suite, tout ce qui a relation avec l'informatique et qu'on peut trouver dans un dans une maison. Alors nous avons aussi le MAN. Le MAN, c'est un réseau métropolitain, c'est-à-dire qui est à l'échelle d'une ville. Le WAN, c'est le réseau mondial, le réseau, c'est Internet. Bien, nous allons maintenant parler du premier type, c'est le LAN, c'est le réseau local. Le réseau local est localisé dans un espace géographique relativement restreint, petit. Par exemple, une salle informatique, un cybercafé, un bâtiment ou un site d'entreprise ou une maison. On remarque que les ordinateurs du même local communiquent entre eux avec des liaisons électriques ou même des liaisons Wi-Fi. Dans ce cas, on parle du WAN. Puis, nous avons le WLAN, c'est la technologie, c'est le LAN utilisant la technologie Wi-Fi. Puis par la suite, on va passer au réseau PAN. Le réseau PAN, c'est un réseau personnel qu'on trouve dans une maison. Désigne un type de réseau informatique restreint en termes d'équipement, généralement mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètres. On l'appelle aussi réseau domestique ou réseau individuel. Nous allons parler du réseau WAN, c'est le réseau mondial. Appelé aussi réseau étendu, sert à relier les LAN, des LAN situés dans un même pays ou dans le monde. Le WAN le plus connu est Internet. On va maintenant parler des avantages d'un réseau local. Un réseau local nous permet de partager des données et partager aussi les périphériques. Alors les périphériques, ce sont les imprimantes, les scanners, les disques durs. On peut avoir dans un réseau de 4-5 ordinateurs, on peut avoir une seule imprimante et tout le monde peut imprimer sur la même imprimante. On peut sauvegarder d'une façon globale les données. Tout le monde peut sauvegarder les informations sur le même support de stockage. On peut partager et contrôler les applications, c'est-à-dire les logiciels. Tout le monde peut travailler sur un même logiciel et tout le monde pourra suivre les progressions des travaux de ses collègues ou des utilisateurs du réseau. La gestion centralisée du réseau et assistance à distance. Donc, on peut gérer, hein, à partir d'un seul PC, gérer les autres ordinateurs. Et on peut aussi réparer et donner assistance à d'autres utilisateurs du même réseau. On peut aussi communiquer d'une façon interne et utiliser les multimédias. Au lieu d'utiliser les téléphones, on peut utiliser des logiciels de communication et de chat.